Général, une salle qui vibre et qui vit sous les feux des projecteurs, mais pas seulement. Le match est à peine terminé que les bénévoles du GFCA doivent démonter la panoptique installée juste avant la rencontre. J'ai vu le type taper dessus. Et pour gérer ce problème de LED, un spécialiste est le bienvenu. Aujourd'hui, vous ne faites rien de particulier. Non. Je suis là en touriste, je suis tranquille, posé. Voilà, je suis en vacances, mais c'est réparé. Voilà. La technique, Ted connaît bien et nous le retrouverons ces prochains jours au Palatine. La terre est basse. Hein. Pendant ce temps-là, le régisseur général, lui, a pris les choses en main pour amorcer le changement de configuration de la salle. Donc on prépare à rentrer les gradins, donc on démonte les escaliers, les garde-corps. Tout ça est escamotable. Il faut faire place nette pour le prochain spectacle et toute cette tribune doit disparaître, renvoyée dans le décor. Dès que c'est prêt, on rentrera celui en premier ou celui de JB, on verra. Le premier qui finit. Les volleyeurs, eux, sont bien contents de pouvoir compter sur ces places assises. Le nombre de supporters a doublé depuis que le club joue ici. Ils sont 1000 en moyenne à chaque match. Antoine, ça a changé beaucoup de choses, le Palatine, pour vous? Énormément. Depuis qu'on a le Palatine, c'est plus la même chose, c'est plus les mêmes compétitions. D'abord, les résultats ont suivi, mais en même temps, le Palatine a apporté un confort incontestable. C'est vraiment un outil de travail qui nous a vraiment fait du bien et qui a sauvé pratiquement le volley à Ajaccio. Une salle modulable, 680 places rétractables, capacité d'accueil entre 800 et 3000 personnes selon la configuration. Et voilà, place est faite pour le montage de la scène. Le directeur jongle entre les différentes programmations. La prochaine, c'est Mesmer, l'hypnotiseur. Tibé, à lundi, ciao. Lundi sera un autre jour. En attendant, le rideau tombe sur le volet. Un tissu qui se froisse pas en plus. Il est déjà tard en ce vendredi soir et c'est extinction des feux au Palatine.